le pôle sport de la Direction départementale de la cohésion sociale du 93, a conceptualisé et initialisé le dispositif « Je nage donc je suis » en direction des enfants de 9 ans et plus ne sachant pas nager en Seine-Saint-Denis. Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif du 93, avec le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, les détenteurs du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation et l'éducation nationale. Plus de 50% des jeunes séquano-dionysiens qui rentrent en 6e chaque année ne savent pas nager. Dès lors, nous avons décidé de développer un programme pendant les vacances scolaires qui a permis de former 1000 enfants en 2015 et près de 1500 en 2016. Accueillis dans les piscines et centres nautiques séquano-dionysiens, ces non-nageurs bénéficient de 8 à 10 séances d'apprentissage natatoire pendant les vacances scolaires, à raison d'une heure par jour, séance encadrée par un maître nageur sauveteur diplômé d'État. Ce dispositif est entièrement gratuit et est financé par des crédits d'État, de la politique de la ville et du mouvement sportif. Le programme Je nage donc je suis a été lancé à Noisy il y a 2 ans, principalement axé sur les quartiers prioritaires de la ville. Pédagogiquement, les enfants évoluent uniquement dans le grand bain ou en grande profondeur et sans facilitateur de flottaison, c'est-à-dire sans ceinture, ni bouée, ni brassard. Ils sont à raison de 10 maximum par ligne d'eau pour un éducateur sportif. L'objectif de fin de stage pour les enfants réside dans l'obtention de la première partie du sécunage qui leur permettra d'être en capacité de se sauver et de pratiquer les activités nautiques telles que la voile, le canoë, etc. En tant que vice-président de la métropole en charge du développement sportif, j'ambitionne aussi de le développer sur d'autres départements de la région parce que c'est une obligation que l'on a, nous, en tant qu'élus, d'apporter tous les moyens et de mettre tous les dispositifs nécessaires. C'est trop bien de nager. J'ai plus peur. C'était dur à faire, mais on a progressé. On a trouvé ça facile après. À la fin du stage, les enfants ayant réussi la première partie du sécunage peuvent être accueillis gratuitement par les clubs des villes participantes, quelle que soit leur affiliation fédérale, à raison d'une heure par semaine, jusqu'aux grandes vacances ou aux vacances de Noël. C'est le cas des clubs d'Aubervilliers, de Noisy-le-Sec et de Bobigny. Après le stage organisé par la municipalité, les enfants qui ont réussi le test 1 du sécunage intégreront, s'ils le souhaitent, et ce gratuitement, le club à raison d'une séance par semaine d'une heure, et ce jusqu'à la fin de la saison sportive. Suite au diplôme du sécunage, nous accueillons gratuitement les enfants de façon à leur permettre de poursuivre leur apprentissage de la natation. Il arrive cependant qu'un certain nombre de participants, totalement débutants, ne soient pas en mesure de réussir la certification. C'est pourquoi une attestation de compétences aquatiques délivrée par l'État, signée par le préfet pour l'égalité des chances, est remise à chaque enfant ayant suivi l'intégralité du stage en précisant la distance qu'il aura parcourue à la nage. C'est une journée importante pour vous comme pour nous, puisque nous savons qu'en Seine-Saint-Denis, plus de 50% des jeunes qui rentrent en 6e ne savent pas nager. Et c'est pour cela qu'avec les élus de Seine-Saint-Denis, il y a un peu plus de la moitié des villes de Seine-Saint-Denis qui participent à ce programme, nous avons souhaité développer un programme spécifique sur le temps périscolaire pendant les vacances, donc le stage que vous venez de suivre, donc de 2 semaines consécutives. Et les résultats sont remarquables, puisqu'on doit être à plus de 80% des jeunes qui ont suivi ce programme et qui ont appris à nager.